6 octobre 2023, ça là, ou pas jeudi, c'était plutôt vendredi, 6 octobre 2023, ça là, l'issot fait Jimmy Clitéagène exactement un an depuis Ariel Henry, ensemble avec conseil des ministres Lio, t'es décidé pour écrire communauté internationale là, tout au moins zami qui si là qui dit ou ses amis Haïti yo, pour te formuler en demande officielle, OK, pour que tu gagnes en intervention d'une force étrangère dans le pays au plus vite. Nous songeons ça tant que c'est jeudi. On jeudi soir, en pleine crise, conseil des ministres spécial, et puis au terme de ce conseil des ministres, yo bay Dr. Ariel Henry plein pouvoir, yo autorisé le, eh bien, fondement de bon côté aux communautés internationales là, pour voyer en force étrangère vin aider sans perdre du temps. En février, si mes moines pas fait un défaut, Ariel Henry prend la parole dans activité ça HCT t'as organisé, on a parlé là de forum sous question sécurité notamment. Il prend la parole pour le dire Jimmy Clitéagène que le pas déjà parlé de intervention d'une force étrangère. Il pas déjà parlé que ces militaires qui pouvaient là, qui pouvaient eh bien prendre nous là, occuper nous et la trier. Mais il était plutôt parlé de ça reler un accompagnement robuste pour la police nationale d'Haïti. Peut-être l'était porté précision ça, c'est en réaction à parole en série de monde qui était quoi que Ariel a qui lui mandé encore une fois pour étrangers venir occuper pays d'Haïti, ou bien Ariel Henry a qui lui était ouvert la porte à une nouvelle occupation étrangère. 9 juin 2023, Grégory Lebin, Ariel Henry sorti dans rencontre avec chef d'État et puis chef de gouvernement CARICOM. Il est retourné en Haïti avec un jacout chargé pour baisse. Et le docteur a dit yon nan bagay, il pensait que le bras le fait là au plus vite, c'est réitérer demande que l'été fait en octobre 2022 à beaucoup de communauté internationale, là particulièrement les Nations Unies. Et de fait, Ariel réitéré le mandat. Il adresse son correspondance au secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres. Depuis lors, Grégory Lebin, une seule chanson, un seul refrain dans l'équipe gouvernementale là. Il est tout net à ten blanc. Si vous osez poser un problème de sécurité avec un proche gouvernement, un allié gouvernement, un membre dans le gouvernement, l'abdou ça sans langue de bois. Mon frère, la police n'est pas capable, mon cher, nous dépasser par les événements, c'est blanc pour venir. Moi-même, personnellement, j'ai parlé à plusieurs officiels de ce gouvernement. Yo ba me réponse ça. On dit oui, en attendant blanc vini, monsieur dame, faut fond bagay. Et si blanc fait 2 ans ba me vini, il fait 3 ans ba me vini. Pour combien de temps population haïtienne n'a pas kembe encore
Pour combien de temps n'a pas bail bandi yo barrière libre ça? Yo dit tout carrément que yo pas capable tête yo menti, yo pas capable. Et que ces blancs doivent venir et yo très optimiste que blanc a venu dans le plus bref des délais. Entre-temps, sac insécurité au souverain, il y a multiplié dans le pays. Un paquet de rapports sorti pour dire que les gangs armés contrôlés à plus de 80% Port-au-Prince, ça ne pas oublier l'autre commune qui constituait région métropolitaine. Et puis il y a quelques autres côtés, notamment au niveau de l'Artibonite, Bas-la-Tibonite en particulier, gang à Taribanda. Des crimes violents. Il y a fait Kadejak, il y a touye moun, il y a kidnappé moun, mandé gros l'argent, il y a pris les âmes sous moun, volé affaire moun, rentré dans kay moun, il y a boulé moun tout vivant, il y a détourné camion marchandise. Et puis gouvernement même, CSPN nan même, la police même chiton côté, y a tan blanc. Juillet 2023, pays Kenya, ou son pays Afrique de l'Est, l'a annoncé officiellement à travers un communiqué que il voulait aider Haïti dans la lutte contre l'insécurité généralisée. Kenya allait plus loin pour lui dire, lui paraît pour le protecte en mission ou bien en force multinationale. Il déjà disposait de pas moins de 1000 policiers pour le déployer dans cette mission. Kenya dit qu'il voulait former mon dans la police là. Il voulait aider la police à rétablir ça relais la normalité dans le pays et puis protéger, pour ne répéter autorité kenyane, les installations stratégiques dans le pays. Depuis lors, ces gros rencontres entre de gros chabraques américains et les autorités kenyanes, notamment le président kenyan. Secrétaire d'État américain hein, a fait monter des sons, coup de téléphone par-ci par-là. Pas bon menti, Kenya vient senti des bon force parce que la grande puissance, la République étoilée d'elle, et dit la délandée avancée. Le 20 août 2023, une délégation kenyane qui rentrait dans le pays, ils ont rencontré le Premier ministre haïtien, le docteur Ariel Henry. Yoshita parlé avec au état-major de la police, le haut commandement de la police nationale d'Haïti, en particulier le directeur général, M. Franz LB. Et qui sa chef délégation t'a expliqué, Grégory Lubin, yo vin là sur le terrain. N'a pas noté, c'était dans l'hôtel tout près, ambassade américaine, tout près à l'aéroport. M. Damio te Chita te couché pour si on dit ha ou bien si ton vite l'homme qui t'a frappé dans l'époque là t'a frappé plou plou pour te tout entrer dans l'époque là aller. Bon, c'est une quoi bien entendu journal Miami Herald. Eh bien monsieur Damio expliqué yo vinn sur le terrain pour faire qui ça d'abord pour capi bien comprendre situation pays d'Haïti sur le plan sécuritaire pour capable évaluer s'ouvrir ça ou les besoins de la police nationale d'Haïti. Et yo pral dégager yo pour faire tout ça yo connaît, tout ça yo capable pour venir porter peuple haïtien secours. Blanc Kenya k'ap parler. Délégation ça te gen environ 10 Kenyans, mais en réalité son délégation te gen pratiquement presque 20 moun parce que te gen de l'autre gros fonctionnaire américain tout t'es là qui t'accompagner délégation. D'ailleurs, yo te recevoir au niveau de l'ambassade américaine, elle prend ouais porte et la trier, mettez on a hôtel côté hôtel ya, et puis pour rencontrer autorité haïtienne yo, notamment Ariel Henry avec au commandement la police. Le 28 août 2023,
Le directeur de la police nationale d'Haïti, directeur général de la police nationale d'Haïti, le commandant en chef, Franz LB, en conférence de presse, t'es confirmé effectivement au commandement de la police, là, lui-même en particulier, t'es rencontré délégation kenyane. Il a dit délégation Sabahala hier et il remet délégation en document. Monsieur LB qui t'a essayé justifier support et soutien international là, t'es expliqué là la police ça t'a créé. Il peut-être pas créé pour ça là comme réalité. Avec question gang qui vient y accès facile avec zam munitions et les nabdi zam c'est pas petit zam am de point n'a parlé là de gros zam manche longue fan froid gang qui a multiplié qui a varié mode opératoire yo matin midi soir. Monsieur LB croit que jodi a la police la besoin un bras pour capable aider non seulement renforcer capacité mais adapter à Sanyela comme nouvelle réalité sur le plan sécuritaire. Monsieur LB qui t'a parlé. Comme pour justifier ce soutien, cet appui international tant souhaité par l'équipe gouvernementale. Kenya soutient en Haïti Grégory Lubin. Kenya dit bon, il y a même pas un problème pour commencer le travail là, un problème pour prendre les dispositions qui s'imposent, mais maintenant il faut qu'il y ait. Eh bien, qui ça, Nations Unies, pral dit, nous songer, début septembre, pardon, il était annoncé, le Conseil de sécurité va le réunir, et la trier, mais avant, tu as gagné, petit monsieur Kari, comme il était venu là, pour te voir si tu as fait acteur. Haïtien yo acteur politique yo chita ensemble protagoniste yo nan crise la pour se te ka jwenn un accord avant même réunion conseil de sécurité a il a trié ça pa trivé fait et puis temps a passé et il aura fallu bien entendu jusqu'au lundi 2 octobre 2023 pour que conseil de sécurité Nations Unies yo même yo te chita et puis adopté yon résolution hein, après bien entendu si nous devons quoi information des négociations difficiles pour te finalement autoriser le déploiement d'une mission ou d'une force multinationale en Haïti. 13 voix pour, 2 abstentions, la Russie, la Chine, on s'en souvient. Mission multinationale de soutien à la sécurité. C'est non mission ça qui doit incessamment rentrer dans le pays après vote Nations Unies le 2 octobre dernier. MMSS. Mais attention, s'il est vrai que c'est Conseil de sécurité Nations Unies qui autorise, mais c'est pas une mission onusienne. Jean Satéi avec bien entendu ministre par exemple. Et on dit avec une période initiale de 12 mois, ça veut dire un an, mission Bralvina pour les arranger, installer. Et objectif là, c'est qui ça? C'est d'abord soutenir PNH là, dans la bataille qu'on dit à mener contre les gangs armés, le grand banditisme. Et puis, sécuriser un ensemble d'infrastructures dans le pays. Sécuriser l'école, sécuriser les aéroports, sécuriser les ports, les hôpitaux, les routes et la trier et créer conditions de sécurité, un climat de sécurité pour capable gagner élection en d'un pays. Amba bon menti. Depuis après vote ça, ouais c'est la joie qui sous tout visage monsieur Damu en d'un gouvernement. C'est comme un ouvre de soulagement pour l'équipe gouvernementale. Ah, communiqué sorti la primature, le ministère des Affaires étrangères réagit là pour dire saluer le vote du Conseil de sécurité des Nations Unies. Monsieur Damu content dans pouvoir, c'est que Blanc Bralvini. Et c'est pas seulement yo même
en dans équipe gouvernementale là. Gen en pile haïtien qui jusqu'à présent pensait que après tout ça n'y là comme tableau et qui vinn empirer de 2021 de juillet 2021 à jodia après tout ça essayé déjà et que pas gain aucune amélioration seul volet crété là c'est volet blanc. Grand pile haïtien qui croit que jodia fok blanc vini si blanc ka permettre que yo sorti la nuit yo rentre les leaders di yo sorti les ouvlé y a dit que blanc vini si blanc ka permettre que yo sorti centre-ville de Port-au-Prince yo aller la plaine quoi des bouquets tabac et autres les ouvlé les leaders di yo y a dit fok blanc vini si blanc ka permettre que yo passé mentissant à l'aise ça pas besoin à payer et depuis 7 heures du soir côté machine rivé à l'obligé camper parce que Matisse fermé si blanc a venir pour retirer si tirer ça y a donc blanc venir si blanc a venir pour permettre que yo passer canaran à l'aise puis aller sous spot la cabaret en caillé sans pas gagner un groupe gang qui en tête li Jeff qui pral terroriser y a du fort blanc venir si blanc a permettre que yo passer Mon Gabri pour accéder à national numéro 3 pour aller plateau central à l'aise y a du fort blanc venir si blanc a permettre que yo retourner à vivre dans caillou gagné que ce soit Pernier Torcel ou autre y a du fort blanc venir si blanc a permettre que Badelma toute business fonctionner normalement on client ca aller dans business li acheter sans moindre difficulté sans aucun souci y a du fort blanc venir et de fait moi-même personnellement moi parler avec plusieurs citoyens et citoyennes dans diaspora qui conditionné vini dans pays d'Haïti à intervention force multinationale ça guerrier du seul par exemple moi j'ai des membres de la diaspora qui dit ah mon cher blanc va recevoir ici blanc vini vrai décembre là dans pays donc c'est pour vous dire comment que gagne des monde qui croient cette force multinationale dont on parle li capable porter quelque chose dans bataille contre insécurité en dans pays mais bon rebondissement là-bas là au niveau du pays Kenya c'est vrai Kenya pas le seul pays qui prêt pour déployer policiers dans cadre force multinationale ça il y a entre autres Antigua et Barbuda il y a la Guyane il y a Bahamas il y a Jamaïque il y a Suriname mais attention hein nous pas parler de n'importe pays qui gagne rebondissement ça la cali dans quatre dossiers ça n'a pas de Kenya qui lui-même décidé prendre tête mission et l'ordre dit prendre tête en mission multinationale même si moins pas qu'on a un bayo mais il veut dire ça veut dire donc c'est comme le corps humain donc si tête là il y a gros problème donc pas attendre nous et bien que l'autre reste corps après capable fonctionner comme il se doit. Donc si c'était Antigua et Barbuda, si c'était la Guyane ou bien Bahamas, Jamaïque, Suriname, qui a un problème la caillou, qui a empêché yo déployer policiers ou bien militaires, yo proposer yo dans cadre force multinationale ça, c'est certaines considérations nous allons faire maintenant là nous t'ai droit pas faire. Mais leur a parlé de Kenya qui lui-même officiellement paré ou bien prêt à aller prendre cette mission qui lui même gagne gros blandel dans pour les États-Unis qui dit adelanté nous d'ailleurs qui lui même à travers document dit que noir sur blanc c'est lui même qui va mener mission qui va diriger mission et puis il y a débat qui a passé la caili dans cas de disposition que doit prendre pour mission en venir ou bien pour le déployer policier ou bien pour le prendre tête mission officiellement ça doit préoccuper ça doit intéresser le badon jusqu'à ce que matin hein? Nous en droit pour nous poser certaines questions. Et yon la dan yo, pour combien de temps encore nous devons tendre sous vle pour nous capable espérer pour tout bon vrai fois ça on force multinationale dans le pays qui pour venir de bataille contre gang. Parce que pas oublier non guerrier du seul. En octobre 2022, les demandes ont été formulées officiellement. Tu as des objectifs bien spécifiques qui t'est écrit dans le document ou bien dans la lettre là si vous voulez. Donc personne n'oserait croire que un an plus tard nous t'es toujours dans l'incertitude.
souvenir fort ça dans pays d'Haïti. En guise de rappel, et c'est important, les rappels ne tuent jamais. On bral dou ça qui t'est passé. On connait remet ça Grégory Lubin. Nan moment Ariel Henry ak équipe li, équipe ministre dans gouvernement te fait conseil des ministres ça, n'a rappelé pays a té dans gros kachouboumbé. C'était époque principal terminal pétrolier pays à Vareux dans commune Cité Soleil, bandit te bloqué, bandit te prend en otage. Ça qui t'est vite gagné de grandes conséquences sous ensemble de secteurs dans pays. Axe routier principal yo côté machine doué passer yo bloqué. Bon ensemble de côté par exemple tant port aéroport qui était inaccessible. Gèl oxygène qui était bloqué au niveau de port Lafito qui pas arrivé dans l'hôpital. L'hôpital pas fonctionner parce qu'il y a problème carburant. Gayen n'a pas soda pi là. Parc industriel Sonapi. Il y a plusieurs entreprises qui sont obligées de camper travail parce qu'ils n'ont pas qu'à jouer une matière première, ils n'ont pas qu'à jouer un carburant pour faire génératrice fonctionner, pour faire des machines fonctionner. Donc, quand c'est le monde, ils ont voué la caillou, ils mettent en disponibilité sans solde. Donc, il y a un gros impact. C'était vraiment une crise humanitaire et il y a des gens qui te prévoient que le tabral aigu dans le jour que le tabral suivi. Donc, c'est dans l'époque, ça, Ariel avec l'équipe réunie et puis ils ont demandé. Concours international parce que Ariel Henry a avoué dans une adresse à la nation Lyon à l'époque là que il était dépassé par les événements. Les moun prend la rue au niveau de Port-au-Prince, moun prend la rue dans Cap-Haïtien, moun prend la rue dans Tigouave, pays lock pendant plusieurs semaines, l'école pas qu'à l'ouvrir, rentrée judiciaire pas qu'à faite. Pays a pas un nouveau budget, nous pas parler de année fiscale. Ça veut dire c'est ton pays qui était pas vrai moi non mais. Donc Ariel au plus vite avec équipe li te réuni pour dire blanc vinn aide nous. Pour dire blanc n'a péri. Pour dire blanc si pas gagne une intervention qui fait au plus vite, mais ça qui t'a passé. Donc pas gagne monde qui te croit que force internationale ça, force étrangère ça, côté les force militaire, force multinationale ça, li t'a pral prend tout temps ça pour arriver dans pays là. Parce que nous sot dire là tout au début. Vendredi 6 octobre qui s'est passé là, on va mettre le fait guerrier. Il fait exactement un an depuis qu'on a formulé demande là officiellement. On croit l'être là t'est allé au lendemain, soit le 7 octobre 2022. Et bien nous tous au courant, ça n'a pas besoin de retourner sur lui, sur ce que tu as fait à l'échelle internationale. Réunion faite, on comprend, conseil de sécurité réuni, en pile, tractation diplomatique, on comprend, bataille à faire et la trier. Pourtant, hein? Et me vle bay James Pierre crédit ça. Pourtant, gardez ça qui a passé en Israël et Palestine là. En moins de 48 heures, les États-Unis étant intervenus, l'autre bois, voyez soldats, voyez élatriers. Ah, bah bon, bon, on ne peut dire, c'est pas même un jeu géopolitique, on ne peut pas dire, Haïti n'a pas même poids. Ça peut se comprendre. Mais on a parlé là, d'un pays qui dit, c'est ses amis, nous. Et nous sommes en guerre, tout au moins. Les gangs armés sont en guerre contre le peuple haïtien. Parce que l'on parle de toutes gangs yo, qui plus que 190, et gens qui parle de 200 gangs, qui ont théorisé et des fois qui ont simé la trouble en même temps. Et c'est la population civile qui paye frère. Mon a mouri, mon a assassiné, m'sot bay tableau là. Et puis on peut dire les gens qui toujours impliqué jouk dans zone tout ça qu'a fait. Et puis il prend tendu, il a passé dans tête, il a passé dans tête jusqu'à ce qu'un arrive là. Pour qui ça t'a lui nous t'a posé question. Est-ce que force là pour li pour demain? Est-ce que li pour novembre qu'a vinn là? Est-ce que li pour décembre? Est-ce que li pour janvier? C'est l'incertitude totale. Pour qui ça? Dans le pays Kenya, amis auditeurs, qui se côté qui t'a dû prendre tête mission, hein? Pour les gens qui fait guerrier Dieu seul, il y a des membres dans l'opposition qui d'ailleurs te dit très inquiet avec cette question de déploiement policier kenyan dans le pays d'Haïti. Et l'opposition politique là dans le pays, ça, te exige souvent des explications claires, nettes et précises du gouvernement kenyan.
en façon d'après Saoudi pour yo pas exposer force de l'ordre kenyanio qui d'après yo pas assez préparé pour une telle mission. C'est l'opposition politique kenyane qui a parlé, c'est pas moi. Et dans le moment monsieur a exprimé inquiétude mais monsieur Damio au niveau de l'opposition politique au Kenya, il a dit que gagner un volet extrêmement important que le gouvernement kenyan pas d'oublier. Est-ce que déploiement policier ou bien militaire kenyan dans le pays d'Haïti sont bagages qui conforment, si vous voulez, à sa loi dans le pays kenyan? Yo même yo exigé et la trier. Parce que l'opposition lui-même était clair que pour une décision comme ça, ta sorti, bon côté gouvernement kenyan, pour déployer des soldats ou des militaires ou des policiers sous les Kenyans dans le cadre de mission en Haïti, l'État doit bénéficier de l'approbation du Parlement kenyan. Et yo brandi un cas similaire, c'est le par exemple Kenya t'a voué force de l'ordre dans le pays Kenya, dans l'autre pays qui c'était Libéria. Mais ça aussi. Yo dit ah, faut gouvernement pas le fond, non, faut gouvernement te qui freine. Parce que si par exemple yo al décide de manière unilatérale voyer des soldats, des militaires ou des policiers kenyans dans cadre mission en Haïti, c'est à pour bagaille illégal. C'est à pour violation de la loi pays kenyan. Parce que gouvernement doit bénéficier l'approbation du parlement. Et yo rappelé que ça t'est fait déjà dans moment Kenya t'est doit voyer force lui-même dans le pays Libéria. Et dans l'intervalle, bagala chambardé dans le gouvernement, gon ministre qui c'est ministre affaires étrangères, guerrier de seul, j'ai perdu job. Ça a été très chaud devant Banana et dans le dossier Haïti. D'ailleurs, au lendemain du vote du Conseil de sécurité des Nations Unies, citoyen ça a été annoncé que toutes dispositions pour le prendre là, eh bien pour Fostal lui-même est capable de passer de rêve à réalité. Mais monsieur perdit job lui. Bon, t'es venu gon remaniement ministériel dans même moment ça. Changer de poste. Il y a monsieur sorti comme ministre affaires étrangères. Pourquoi monsieur aller dans tourisme et culture là? Et n'a rappelé que monsieur son ancien journaliste, il dit monsieur bon comme moi mais parler avant un show de vent maintenant à parler de Haïti dans baie Kenyaza et ben nouveau là. Al parler al vendre pays sur le plan touristique. Et déclaration monsieur, n'a parlé là de monsieur Alfred Mutua concernant déploiement troupes kenyanes dans le pays d'Haïti. Il dit c'est ça qui est à la cause que transféré monsieur dans le ministère du tourisme. Dernier goût de l'eau renversé vase là, ou bien dernier coup tout et coup courage, j'ai mon yota kadil, c'est que la guerrier du seul, pendant les dernières 24 heures, information yo, fait quoi que gagne en pétition yon parti politique qui relè Alliance Troisième Voie, eh bien, dans le pays Kenya, qui met ensemble avec un série de l'autre personnalité, pas des moindres, de grandes personnalités, yo déposé, eh bien, pétition ça, dans le plus gros instance judiciaire dans le pays ça. Et après pétition, la Cour suprême kenyane, zami auditeur, décide de bloquer, et ceci jusqu'à 24 octobre, déploiement policier kenyan yo qui t'a dû participer dans la force multinationale ça, qui sont forces d'appui à la sécurité en Haïti. Donc ça veut dire qui ça? Jusqu'à 24 octobre 2023, pas une autorité kenyan qui a permis de prendre un soldat, un policier kenyan pour le voir dans le cadre de force en Haïti. Et ça. Maintenant, intelligemment, les gens qui t'ont dit, bien, ok, pas un problème. Après 24, bah possible. Mais non, il faut que la croix prononce. Avez-y, c'est en attendant. Hein? Donc la cour après l'apprécier, il prend peut-être un argument, même j'ai peut-être ça fait pour le programme Biden, je suppose. Bon, par contre, si mal parti, j'ai un conseil de l'État qui a attaqué le programme, qui est mettre devant le juge là, le juge là, peut-être deux parties viennent avec argument pour faire confrontation, après ça, vous le décidez. Je pense que son bail est comme ça qu'il faut le faire.
Donc après 24 octobre, nous attendons pas comme ça. Comme parti politique là avec et l'autre personnalité yo déposer document ça, juge là quelqu'un pour apprécier document ou bien juge dans la Cour suprême là, yo pral venir avec des arguments, autorité gouvernementale yo, le gouvernement kenyan pral gagner pour venir à document par l'autre parti a venir à document par yo. Et puis après ça pour juge la trancher. Donc pas rien dit dans décision pral sorti là après yo fini initier ça comme processus judiciaire que le pral autoriser Kenya pour non seulement prendre tête mission mais tout pour déployer militaire ou bien soldat ou bien policier Kenya dans quatre forces multinationales ça. Donc ça veut dire qui ça? Ça veut dire jusqu'à présent dans question force multinationale ça dans pays d'Haïti haïtien doit tendre population haïtienne doit tendre citoyen haïtien doit tendre encore. Pour qui ça? Parce que c'est pas ni Jamaïque qui a un problème ça là caillo là, c'est pas ni Suriname qui ont même proposé des soldats ou bien des militaires, son pays qui prend tête mission mais qui doit prendre tête mission. Donc ça cap dit dans pays Kenya là, ça cap dessiner dans pays Kenya là, li très préoccupant et li déterminant pour le futur ou bien pour l'avenir de cette mission multinationale. Grégory Lubin, il me veut moun yo comprendre ça. Ou pensez que si mission a tap venir on exemple en novembre ça va ka retarder moi quoi dur comme faire que le cas incident sous lui s'il t'a venir en décembre ou pensez ça va ka retarder s'il t'a venir en janvier par exemple ou pensez ça va ka retarder et pour Jean Bala et la guerrier n'importe jeune prend encore on pas bon menti il y a conséquences sur réalité sécuritaire pays Donc ça veut dire cette question de force multinationale de blanc de vaille j'aime pas bon menti les provoquer encore une fois des doutes ou bien les permettre que monde qui était incrédule qui était sceptique yo renforcer position même si guerrier Dieu seul moi même moi gagne position sur question force là parce que même genre un groupe en de pays qui croit que pendant temps ça si nèg yo t'ap agi ne serait-ce qu'à court terme sous la police là bon comme yo pas mettre l'armée non bagay yo yo y est seul on seul bagay nous t'ap manquer seulement la volonté politique et puis après ça a fait moyen que nous gagnons certain nous pas pral dire que nous t'ap pral fin à toute bagay Jean Fataka dit fin à insécurité nous pas dit que toute bandit t'ap pral hors d'état de nuire nous pas dit que pas t'ap gagne grand ville pas t'ap gagne village de Dieu. Nous pas dit pas t'ap gagner et torsel canaran mais c'est certain nous t'ka empêcher des bagages qui permettent gang yo vinn prendre confiance dans pays. Donc n'a passé temps n'a bolosé faut équipe grimace fait éteint tan blanc mais un arrivé sous nous là situation détériorée. Nous va prendre 6 mois encore. Nous va prendre 2 ans encore. Et ben dis pas camper. Guerrier Dieu seul moi c'est un rare haïtien pour me pas dire parmi haïtien qui croit que gen baga la police ta ka voter comme réponse. M pa naïf, même quoi dans la police jusqu'à présent guerrier. Parce que l'aime considérer tout ça gen comme problème. Si nécessaire résoudre et pile nao qui ka résoudre. M pa bon menti, la police ta gen doit pas efficace à 100% parce que gen des problèmes qui d'autre structurel dans sens que c'est pas jodi a exister. Mais la police ta plus efficace par rapport à Jean Lira. Clair sur ça guerrier. Mais c'était une volonté politique. Volonté politique surtout. Ouais. Et puis reste baïon n'a pas agi sur yo ça qui problème interne au niveau de la police il a trié. Parce que encore une fois ça me dit dernièrement. Mais certains les blancs viennent là pour aller dans bataille, ti là puis pas dans bataille ils ont pour. Pour ça les positions, c'est personnellement. Mais certains les blancs viennent là pour bataille vite l'homme pour. Il va l'entrée et balati bonite pour. Et même les tagué opération comme ça, c'est la police qui est devant. Non mais c'est pas sans raison, je dis il vient aider la police. Arrêtez. De toute façon, c'est la police là. Elle dit c'est au venir et puis la police dans chute, elle pas planifier qu'une opération. Ouais, un an qui a passé, 2 ans passé depuis donc là. Donc ça veut dire que ça. À chaque fois on senti qu'on pas qui fait dans question mission ça en avant ou senti qu'on l'autre qui fait en arrière. Qui vient faire que ou même qui gagne des responsabilités comme autorité jodi a sous chita sous l'ori ou bien calbende pensant que blanc lui-même
li pral venir dans le plus bref des délais pour venir donc résoudre une série de problèmes la caillou mon choc a saisi ou non illusion ou bien t'es non illusion. Donc en guise de conclusion guerrier de seul, nous pensons que jodi a là nous on doit pour nous poser question sur maximum temps vous comprenez mission ça les mêmes d'aller venir en Haïti puisque ONU autorisé déjà. Mais l'en considérer toute sa cap dessinée là dans le pays Kenya, nous en droit tout pour demander tête nous pour combien de temps nous devons être encore. Après plus passer un an d'attente. Et moi-même personnellement, guerrier du seul, sous mandem, je pense que nous après tout un an, si jamais blanc d'abvenu de nous, vous venez de nous, vous venez de nous. Je pense ça. Je pense ça. Peut-être que je pense qu'il a fait du jour au lendemain tout. Ça, il faut le dire. Mais je pense qu'il a pris tout le temps ça. Et n'a pas là pour un an plusieurs jours, peut-être qu'il va gagner un an, deux mois, un an, trois mois, et le 18 janvier 2024. On va me connaître. Est-ce que la police, est-ce que le gouvernement Abjichita, Abton, ou bien en attendant que soutien ça, qui peut être à bien vini, puisque la police là, il a besoin de moyens, besoin de formation, besoin de matériel pour renforcer capacité opérationnelle. Mais en attendant le vini, qui ça n'a fait? N'a pas livré pays à bay bandi, n'a pas quitté bandi, on continue tailler banda, n'a pas quitté bandi, on continue faire exaction. Et puis après ça, nous fait merger, n'a pas les forces de cette mission multinationale de soutien à la sécurité MMSS. La nouvelle, c'est quoi? C'est que la Cour suprême pays Kenya, eh bien, tadou pour nous.